everyone. I'm Pam Cipriano, President Bonjour Wiener. à tous et à toutes. Je suis Pam Cipriano, présidente du Conseil international des infirmières. Je suis ravie que vous soyez avec nous. Merci de rejoindre ce webinaire sur les soins infirmiers en santé mentale. C'est un thème essentiel aujourd'hui. Nous allons parler de transformer l'avenir des soins de santé mentale. Un aperçu des quelques normes de ce webinaire. Nous avons accès à l'interprétation simultanée en français, anglais, espagnol. Donc, choisissez bien la langue de votre choix en cliquant sur l'icône interprétation en bas de votre écran. Pour tout commentaire, message, utilisez le chat, messagerie instantanée. Si vous avez une question, utilisez la fonction Q&A, question et réponse en anglais, et nous ferons tout notre possible pour apporter une réponse au gré de ce webinaire. Aujourd'hui, nous lançons les nouvelles lignes directrices sur les soins infirmiers en santé mentale, un jalon de notre mission commune pour améliorer la santé mentale dans le monde entier. Rappel des définitions qui ont sous-tendu notre travail pendant des années. D'abord, la définition de l'OMS de la santé, car nous savons que la santé est un droit. Dans le préambule de la Constitution de l'OMS, que vous connaissez, la santé est définie comme un état de bien-être mental, physique, complet et qui n'est pas uniquement le résultat de l'absence de maladie. Et la santé mentale est un état de bien-être selon lequel l'individu reconnaît que ses capacités leur permettent de gérer le stress, travailler de manière productive et contribuer à la vie de la communauté. Nous reconnaissons que la santé mentale est également un droit humain universel. Nous sommes convaincus que les considérations de santé mentale doivent être à l'avant-poste de la santé. Tous les troubles mentaux et les patients qui en souffrent ont les mêmes droits que tout autre de vivre exempt de discrimination, exempt de violence et de stigmatisation. Nous le savons tous et toutes que on s'est rendu compte du besoin d'avoir des services en santé mentale dans le sillage de la pandémie. Au vu du nombre de décès, le stress, la fatigue et également les blessures ont été une réalité pour l'ensemble des infirmières et toute personne qui a prodigué des soins. Nous savons que se relever et guérir de ces expériences sans précédent n'en sont qu'à la première étape. Si nous ne progressons pas assez vite, c'est une menace pour l'ensemble de la communauté des infirmières, bien sûr, et de tous les agents de santé. Nous savons qu'une personne sur deux dans le monde va avoir un trouble de santé mentale dans le monde, mais plus de 70% de la population dans le monde avec des troubles de santé mentale aigus n'ont pas accès à un quelconque traitement. Et c'est surtout vrai dans les pays à revenus faibles intermédiaires qui n'ont pas les ressources nécessaires. Alors, nous devons améliorer les soins en santé et aussi, surtout, former les infirmières en mettant l'accent sur les infirmières en santé mentale. Nous savons que les infirmières en santé mentale sont au cœur des soins de compassion pour améliorer les systèmes de santé. Donc, la question aujourd'hui qui se pose est de savoir comment nous pouvons transformer les soins en santé mentale, et nous voulons que l'ensemble des infirmières reconnaissent leur rôle et responsabilité dans ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Nous savons qu'il n'y a pas suffisamment de prestataires de services, il n'y a pas suffisamment de soutien social et la stigmatisation est également un obstacle de poids pour toute personne qui a besoin de soins. Et nous savons que le fardeau des maladies en santé mentale et l'absence ou la pénurie de personnes formées en santé mentale et la formation des personnes impliquées font partie du problème. Et donc aujourd'hui, l'idée est de vous présenter les outils, les plans disponibles pour vous améliorer, soutenir votre formation, vos actions sur le terrain. On vous présentera les rapports sans précédent publiés dans les dernières années qui nous donnent de réelles lignes directrices pour pouvoir appréhender ces questions et être sûr que nous prêtons main forte aux infirmières sur le terrain. Aujourd'hui, vous allez apprendre davantage sur les lignes directrices du CI sur les soins infirmiers en santé mentale et vous entendrez les experts en santé mentale vous entendrez parler de l'approche de compassion des soins, les activités de plaidoyer et le besoin d'agir pour le bien et la santé de tous et toutes. Permettez-moi de vous présenter notre premier orateur, David Stewart, suivi de Madeleine Nagel,
David Stewart est le responsable chef adjoint des services infirmiers du CI depuis 2016 dans l'équipe politique. Et Madeleine Nagel est professeure émérite de l'Université de New York et consultante en santé mentale mondiale. Ils sont impliqués dans la rédaction des lignes directrices qui viennent d'être publiées. Madeleine est à l'avant-poste en matière de soins psychiatriques, surtout sur les adultes et tout l'intégration des comportements et leur incidence sur la santé mentale. Merci, Madame la Présidente, David Stewart. Eh bien, nous pouvons revenir à la genèse de ces lignes directrices. Cela a été vraiment un long cheminement qui nous a amenés à aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'il faut avant tout remercier les auteurs clés et toutes les infirmières en santé mentale qui nous ont permis de mettre sur pied cet outil. Et surtout, Madeleine, que vous entendrez récemment, mais Kim Ryan, Frances Hughes, entre autres, qui ont donné tant d'énergie, tant de temps pour que nous puissions concrétiser et donner la forme définitive à ces lignes directrices. Près de 60 pays ont été concernés. Nous avons interrogé des personnes dans le monde entier pour être sûr que leurs réflexions sont bien entendues. Et ce que l'on retrouve partout, c'est la passion pour des soins de santé de qualité, surtout pour les personnes ayant besoin de soins en santé mentale, des personnes qui ont par passion donné leur temps, leur énergie pour s'assurer que l'on puisse apporter les meilleurs soins possibles. Si je reprends à mon compte les paroles de notre présidente, nous n'avons pas de santé sans santé mentale. Et il faut reconnaître que nulle part dans le monde, la santé mentale ne va pas de pair avec la santé, les budgets, l'éducation, la pratique. Nous ne pouvons pas défendre le fait qu'il n'y ait pas un accès à des soins de qualité pour tout le monde, car c'est un droit fondamental de tout être humain d'avoir accès à une santé de qualité. Je me tourne vers Madeleine, qui est ma collègue dans la rédaction de ces lignes directrices, qui va vous donner quelques informations. Madeleine, je vous invite à projeter les clichés que nous avons aujourd'hui et je vous donne la parole. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour David. C'est un plaisir pour moi de vous présenter les grandes lignes de ce document. Avant toute chose, j'aimerais aussi saluer le leadership du CI et surtout de David Stewart. Cela nous a pris 2 ans et demi pour aboutir à ce résultat. Nous avons essayé d'articuler ce document pour que nous puissions l'appliquer de manière la plus globale possible. La contribution de ces lignes directrices revient également aux experts du monde entier qui représentent plus de 40 pays. Pour être sûr de pouvoir appliquer ces lignes directrices et les adapter à leur pays, leurs ressources, tant pédagogiques que financières. Et vraiment, c'est là une preuve tout à fait positive de l'importance de ces lignes directrices. Et nous avons tant de personnes, centaines de personnes qui ont rejoint ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter les grandes lignes de ce qui nous semble être le plus pertinent dans ces lignes directrices et qui fait que ce document est résolument tourné vers l'avenir. Diapositive suivante. Nous avons Dr. Dainis Pouras a lancé une réflexion en matière de santé mentale avec cette citation. Il a remarqué trop de temps, d'argent et d'efforts sont mis dans des modèles médicaux qui ne sont pas forcément adaptés à la population. En tant qu'infirmière, nous savons que c'est le travail interpersonnel, les thérapies interpersonnelles, tous les efforts de prise en charge, d'affecter les bonnes ressources qui font la différence. Alors, l'un des arguments clés de ce document est que les infirmières doivent être bien préparées pour faire ce qu'elles font
le mieux possible, de manière interpersonnelle, en puisant dans les systèmes qu'elles ont, que le système soit complexe ou assez rudimentaire, pour que tous les patients aient accès aux soins dont ils ont besoin. Diapositive suivante. L'objectif de ces lignes directrices sur les soins infirmiers en santé mentale est vraiment de promouvoir des normes de consensus, des normes en matière de pratique consensuelle, et ce qui fait qu'il y ait vraiment une qualité de soins. Et pour que nous soyons sûrs qu'il y ait une qualité de soins, il nous faut des normes qui les sous-tendent. Et avoir des normes donc, de pratique que nous nous engageons à observer une fois que nous obtenons notre diplôme. Quelle que soit la communauté, quelle que soit la force de la voix exprimée, nous devons être sûrs que nous ayons en cœur ces normes. Être dans un conseil, dans un groupe de voisins, dans une ONG, etc. Être sûr que les infirmières ont voix au chapitre et nous voulons être sûrs que chaque fois, il y ait une cohérence, une qualité de soins partout. Nous avons une norme et aussi une réflexion commune entre tous les leader dans les soins infirmiers. Et le CI joue un rôle important en ce sens. Dans tous les pays, même si nous travaillons à différents niveaux pour atteindre ces normes, comment faire progresser cette pratique? La recherche, les études nous montrent que lorsque nous avons des infirmières bien formées, bien préparées, lorsqu'elles travaillent en équipe et lorsqu'elles ont accès à l'enseignement de la plus haute qualité possible, eh bien, nous améliorons les résultats en santé pour les patients. Diapositive suivante. Alors, j'ai marqué, vous le voyez, leadership tout en haut de cette liste. Pourquoi? Car nous avons de nombreuses infirmières qui travaillent, bien sûr, sur le terrain, mais elles n'ont pas toutes le même niveau de leadership. Il faut bien comprendre ce que c'est, mais il faut qu'elles puissent être encouragées à exprimer leur point de vue et agir en conséquence. Diriger une équipe dans une unité hospitalière ou que vous soyez responsable d'une équipe à l'échelle communautaire, que vous soyez responsable des infirmières immatriculées, d'une association, etc. Cette voie de direction, si l'on peut dire, de leadership, nous permet de bien respecter ces normes nationales et internationales. Les infirmières immatriculées sont vraiment les premières personnes qui travaillent dans le secteur de la santé mentale et sont confrontées à des troubles mentaux parfois complexes. Et il faut être sûr qu'elles puissent comprendre à quel point la santé mentale est essentielle grâce à des entretiens de soutien, avec une évaluation de son infirmier et bien identifier quand il y a besoin d'une intervention d'infirmiers en santé mentale. Être sûr que ces dernières sont certifiées, préparées à tout niveau dans les pays et qu'elles aient accès aussi aux experts. Puis nous avons également les infirmières de pratique avancée qui représentent maintenant dans 30% des pays et nous avons des infirmières de pratique avancée qui jouissent d'une certaine formation et expérience, qui agissent hein, et qui sont représentées à différents niveaux. CI, c'est un modèle qui est assez flexible, mais c'est un modèle en place qui nous permet d'être une source d'inspiration où les experts peuvent concrétiser les connaissances théoriques et le travail collaboratif avec les autres prestataires de soins de santé pour avoir accès justement aux soins de santé les plus optimaux possibles. La diversité des contextes de pratique pour les infirmières, puisqu'il y a de plus en plus d'infirmières qui travaillent dans les communautés, en coopération, dans les centres infirmiers, etc. Et nous voulons avoir cette souplesse de pouvoir évoluer dans ces différents contextes. Il y a donc différents caractéristiques, mais qui restent au cœur de leur pratique infirmière, ancrées dans leur connaissance infirmière et leur théorie infirmière et tout ce qu'elles ont engrangé lors de leur formation, mais aussi via des outils thérapeutiques différents.
La portée de la pratique varie d'un pays à l'autre, bien sûr. Hein. Nous voulons que ce soit une norme, on va dire, pour que dans chaque pays, les infirmières soient bien à la hauteur des attentes inscrites dans les programmes des instituts de formation et aussi les entités réglementaires. La puissance, si je puis dire, de la relation entre les infirmières et les patients. Et on parle d'intervention en santé mentale et des Florence Nightingale, vous le savez. Elle, comme vous le savez, elle prenait soin des soldats et les soldats dépensaient bien trop d'argent dans la consommation d'alcool et ne l'envoyaient pas à leur famille. Et donc, dans des interventions assez fondamentales, elle a réussi à utiliser une proportion de ses ressources financières pour qu'elles soient renvoyées directement au Royaume-Uni, pour qu'ils n'aient pas accès à d'argent qui leur permettrait d'acheter de l'alcool qui serait la source de troubles en santé mentale. Donc, c'est vraiment l'une des premières interventions en matière de santé mentale que nous avons documentées. Celle qui est vraiment la pionnière des soins infirmiers dans le monde. Et il s'agit d'avoir une relation de confiance, bien sûr. Des relations de confiance entre infirmières et patients. Et elle puise pour cela dans les compétences interpersonnelles leur connaissance pour apporter tout le soutien psychosocial nécessaire et également émotionnel. Elle met en avant également une approche de résolution de problèmes en proposant de nouvelles initiatives, accroître leurs connaissances pour aider les patients à avoir accès aux traitements nécessaires, pour être des acteurs des changements nécessaires dans leur vie, des changements comportementaux pour faire face à leurs difficultés. Interruption depuis là, une seule minute. Diapositive suivante. Donc, l'éducation devrait se concentrer sur le continuum de soins, on se concentrer sur la formation basée sur les compétences, on associe la pratique théorique et clinique, mais cela demande également l'évaluation des compétences par les étudiants. Alors, on met en avant des soins axés sur le patient, bien sûr, sur la personne, et on donne une valeur particulière à l'éducation. Les soins basés sur l'épreuve se sont progressivement développés pour améliorer l'accès aux soins de qualité dans le monde entier, mais également les infrastructures proposant ces soins tout en mettant l'accent sur un soin holistique, donc axé sur la personne. Je crois que nous avons encore un transparent. Et n'oublions pas que les infirmiers ne peuvent pas apporter de bons soins à leur famille, à leurs patients ou être en soutien de leurs collègues. Sans cette aide, elles ont besoin de pouvoir se reposer, d'avoir les bonnes conditions nécessaires pour qu'elles puissent prendre le repos nécessaire afin d'être les plus efficaces dans leur travail. Et avant toute chose, les politiques que nous avons promues au CII au cours des dernières années doivent pouvoir leur venir en aide et nous espérons qu'elles seront plus visibles dans vos programmes respectifs. Merci pour ce moment et je reprendrai la parole, je reviendrai avec vous dans quelques instants. Merci à vous. Merci beaucoup, Mélanie. Merci d'avoir présenté une directrice sur les soins infirmiers en santé mentale. Bien sûr, ces documents sont en trois langues. Hein. Vous pourrez donc les consulter. Je vais présenter notre prochain intervenant qui va nous parler donc du point de vue des opportunités clés pour les soins infirmiers pour soutenir la santé mentale. Et elle est coprésidente de la commission Lancet, hein, donc Charlene Sunkel, et fondatrice et directrice générale du Global Mental Health Peer Network, donc réseau mondial de pairs en santé mentale. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cet événement. Et j'aimerais aussi vous féliciter pour le lancement de ces lignes directrices. Donc, on va maintenant pouvoir voir ma présentation. Alors, je commencerai donc en m'appuyant sur mon expérience.
et tout ce que j'ai pu faire dans le cadre de ce réseau. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes devenus une grande organisation maintenant, hein, de grande ampleur, en l'espace de 5 ans, avec plus d'une centaine d'experts. Pour ce qui nous appuie bien sûr sur notre personnel, nos membres, nos bénévoles, nous avons une représentation assez variée dans le monde. Nous essayons donc bien sûr d'inclure les pays revenus faibles et modestes, mais aussi les jeunes gens. Vous pouvez le voir, hein, 38% des personnes entre 35 et 50 ans, et 39% entre 25 et 34. Et nous essayons aussi de faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de femmes possible dans l'organisation, surtout pour donc équilibrer la représentation entre les différents pays. Ainsi, à l'heure actuelle, nous sommes présents 49 pays avec 156 experts, hein, à s'appuyer sur leur expérience. Au fur et à mesure de notre travail, nous avons pris conscience donc de la nécessité de travailler donc sur l'efficacité, notamment avec des experts qui peuvent s'appuyer donc sur l'expérience des services de consultants. Aussi, nous avons une unité est axée donc sur le tutorat entre les pairs, éducation, autonomisation et développement pour favoriser donc l'intégration dans tous les secteurs de la santé mentale, mais également dans la société. Donc c'est vraiment là où ce développement se développe. Nous avons aussi démarré récemment donc les jeunes agents pour le changement et vraiment pour mettre en avant la voix des jeunes gens. Et nous avons aussi un soutien entre pairs au niveau interne pour tout ce qui a trait au du comparatif, nous travaillons sur la communication, la sensibilisation par biais de campagnes et de projets spécifiques. À l'heure actuelle, nous avons un projet qui est en cours, donc basé aussi sur l'expérience et l'expertise donc de nos différents représentants. Bien sûr, il y a davantage d'organisations aussi qui travaillent dans cette unité de durabilité. Transparent suivant. S'il vous plaît. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc, nos experts et comment ils se répartissent, nous avons donc, bien sûr, des représentants au sein des gouvernements, mais 4%, donc dans le secteur non lucratif, 4%, via des ateliers et des collaborations pour élaboration de documents. Aussi, nous travaillons avec l'Agence internationale à 0,7%. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que nous avons commencé à travailler davantage avec les organisations de financement, les donateurs, pour mettre au point notre stratégie, donc à hauteur de 11%. Aussi, bien sûr, nous mettons l'accent sur ces services de santé mentale. Et nous avons donc pu voir davantage aussi de services apportés par les académies, le secteur de la recherche, 20%. Et c'est là aussi, bien sûr, l'intervention de directeurs privés que nous pouvons signaler. Alors, je vais terminer très rapidement pour vous proposer donc cette valeur ajoutée. Donc, nous contribuons de différentes manières. Nous pouvons offrir aussi des connaissances approfondies et uniques. Nous comprenons l'impact des conditions de santé mentale. Nous comprenons aussi ce qui est nécessaire pour retirer, mettre fin à ces barrières face à l'inclusion, l'égalité, l'équité, la stigmatisation, la discrimination des communautés, et aussi pour favoriser le développement durable et la protection de la santé mentale pour tout le monde. Nous essayons aussi d'orienter avec différentes pratiques, essayons de comprendre aussi les conditions nécessaires pour de meilleures possibilités
de réhabilitation et aussi nous proposons des solutions efficaces et pratiques pour améliorer l'efficacité des systèmes de santé mentale. Aussi, donnons soutien aux politiques pour renforcer et diffuser donc ces interventions dans les différents secteurs sur la santé mentale et nous essayons aussi de travailler donc sur de meilleures prestations avec nos prestataires. Et pour terminer, donc voici là les éléments clés d'un engagement efficace, participation efficace. Nous devons bien sûr prendre en compte les questions de diversité et d'égalité, favoriser un respect mutuel et la confiance, aussi mettre fin à toute discrimination. Et je vous remercie donc pour le temps qui m'a été accordé. Merci. Merci beaucoup, Charline, de nous avoir aussi rappelé combien l'expérience était importante et qu'elle faisait partie de nos connaissances pour nous, apporter de meilleurs soins de santé. Orateur suivant qui va donc présenter le point sur les opportunités clés pour les soins infirmiers pour soutenir la santé mentale, le professeur Sir Graham Thornycroft, qui est professeur de psychiatrie communautaire au King's College London, Londres, figure éminente de la santé mentale, et a contribué de manière significative à la politique de santé mentale en Angleterre et a présidé des initiatives clés de l'Organisation mondiale de la santé. Il était un expert reconnu en matière de réduction de la stigmatisation, d'évaluation des services de santé mentale et de promotion de la santé mentale dans le monde. Monsieur Tannikraft, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Alors, je vais justement évoquer opportunités donc, pour le personnel infirmier pour soutenir la santé mentale. Nous allons démarrer donc avec ces lacunes en matière de santé mentale. À savoir, comme nous avons pu l'entendre précédemment, il s'agit de voir les gens qui ont bénéficié de ces traitements et qui ont des problèmes de santé mentale. Nous savons que cette situation s'étend de plus en plus et on voit de plus en plus de personnes qui sont confrontées à des problèmes de santé mentale. On dirait 20% de la population mondiale chaque an est diagnostiquée d'une maladie mentale. Mais nous remarquons que la plupart ne reçoivent pas de soins de traitement, ou alors, en tout cas, nous avons vu qu'un quart seulement a reçu un traitement dans les pays à revenus élevés, et pour les pays à revenus faibles, on est à moins de 5%. Aussi, bien sûr, notre personnel soignant est très important dans le monde et nous comptons sur donc pour pouvoir apporter, je dirais, les soins et c'est-à-dire elles sont d'ailleurs le contingent le plus important dans le secteur de la santé. Et un rapport a été publié récemment par l'ICC qui a montré qu'entre 1 et 3% des infirmières dans le monde sont formées sur les questions de santé mentale. Alors, pour vous donner une idée de revenir sur cette question et de pouvoir la prendre à bras le corps, donc un document qui a été aussi publié par l'OMS. La question de savoir qui doit fournir la plupart des soins de santé mentale. Et dans la plupart des pays, nous voyons qu'il y a très peu de psychiatres pour les habitants. Et dans ces pays, seuls les services de soins primaires et communautaires, en particulier les infirmières, existent à une échelle suffisante pour répondre aux besoins de la population. En tout cas, il n'est pas possible d'apporter à l'ensemble de la planète les besoins nécessaires par rapport à cette difficulté, ces conditions-là. Le guide de l'OMS met l'accent sur le guide d'intervention et une première version qui a été publiée en 2010. C'est un guide qui inclut une approche socio- et psychologique pour soutenir la condition mentale des personnes et notamment pour les personnes où 85% de la population vit dans les pays à faibles et moyens revenus. Et ce guide donc a pour objectif d'être utilisé donc par les professionnels de la manière la plus simple possible et plus limpide. C'est la volonté pour le personnel, l'infirmier, agent de santé communautaire et dans les centres primaires et communautaires. Aussi, ce guide est vraiment dirigé, conçu pour les personnels non spécialisés.
Il a été déjà, ils ont plus de 100 pays dans toutes les régions de l'OMS et traduit dans plus de 20 langues. Donc, si vous n'avez pas encore consulté ce document, je vous encourage à le faire. Il est disponible gratuitement sur le site de l'OMS dans toutes les langues de l'OMS. Second, I'd like to say a little bit about stigma and discrimination. Deuxième sujet sur lequel je souhaite entrer plus en détail, sur la stigmatisation et la discrimination. Il y a un moment d'entrave qui empêche les gens donc d'obtenir les soins nécessaires. Notamment, nous pouvons penser donc à au fait donc cela contrevient aux droits de l'homme, aux effets toxiques sur les personnes souffrant de troubles mentaux. Cela conduit à la marginalisation et à l'exclusion sociale, mais aussi en accès aux soins de santé mentale et physique. Voici là donc les impacts hein, liés à cette stigmatisation et de la discrimination. Ça diminue aussi l'éducation et les perspectives d'emploi et affecte également le personnel sur le terrain, y compris bien sûr les infirmières. Et c'est plus qu'une théorie pour moi parce que ma mère a travaillé comme infirmière communautaire au centre d'Angleterre et vous pouvez voir sur la photo droite, c'était moi à 3 ans. Et si je vous montre ces images, c'est parce que à cet âge, ma mère a développé une condition dépressive très sévère avec des symptômes suicidaires. Mais ensuite, elle a pu être se rétablir, donc après l'électroconvulsivothérapie. Et le médecin lui a dit, vous n'aurez plus jamais de dépression, qui est plutôt une déclaration assez audacieuse. Mais c'est vrai qu'elle n'a jamais été à nouveau dépressive aussi. Quand elle a été arrêtée, elle n'a jamais dit à son responsable pourquoi elle était malade, parce qu'elle pensait que si elle le lui révélait, alors elle serait renvoyée. Au cours des 2 dernières années, avec Charline, que vous avez entendu à l'instant, nous avons entre autres travaillé donc sur la commission 27 pour mettre fin à la stigmatisation et la discrimination en santé mentale. Aussi, pour résumer la situation, qu'il faut vraiment s'appuyer sur les contacts sociaux. C'est une certitude pour pouvoir réduire la stigmatisation et la discrimination. Il faut que les gens, notamment pour tous ceux qui ont cette expérience, il faut avoir des contacts sociaux, soit des contacts sociaux directs ou indirects, que ce soit à distance sur les réseaux. Mais c'est ce contact social qui est vraiment le premier élément donc, qui permettra de réduire cette stigmatisation et cette discrimination. Et d'ailleurs, les gens qui ont vécu des difficultés de santé mentale sont souvent d'ailleurs ceux qui sont là moteurs du changement donc pour mettre fin à cette stigmatisation et à cette discrimination. Par ailleurs, autre point important, il faut prendre garde aux mots, bien sûr selon les langues, mais peut-être essayer d'éviter certains termes, notamment pour les personnes qui ont eu le VIH ou le sida et pour toutes les personnes victimes de dépression, parce que partout vous avez des personnes qui ont vécu des difficultés liées à leur condition ou santé mentale. Il faut se demander la question si comment poser cette question à la personne et comment aborder. Nous pouvons aussi avoir différentes exemples, solutions qui sont intéressantes, notamment en Inde, un projet qui a pour objectif de réduire la stigmatisation dans le cadre du projet Smart en Inde, toutes les personnes qui vivaient donc ces conditions de santé mentale. Et dernière chose donc, les ressources. Si vous souhaitez travailler avec des personnes qui ont à la fois une difficulté mentale ou physique, ce qui arrive souvent, alors l'OMS a élaboré des directrices, encore une fois, très pratiques. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur quoi faire sur votre lieu de travail, sur la santé mentale et aussi aider les personnes souffrant de santé mentale à recevoir un traitement en toute confidentialité, vous avez là ces lignes directrices qui sont à votre disposition. Et dernier point que je souhaite signaler qui nous concerne dans cet espace,
Nous avons là les données de la période du Covid en 2020. Nous sommes rendus compte très tôt qu'à peu près la moitié de la plupart du personnel de santé pouvait aussi être sujet à l'anxiété, la dépression ou un symptôme de stress. Et en tout cas, au moins 58% avaient au moins un de ces trois. De trois conditions. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et bien sûr, je m'adresse à vous en tant que spécialiste, parce que l'idée, c'est que bien sûr, nous soyons le mieux possible, parce que nous sommes une ressource indispensable et durable. Donc, c'est vrai que j'ai voulu résumer un petit peu cette situation, savoir revenir sur cette discrimination, cette stigmatisation, ces lacunes en matière de santé mentale et puis les ressources à votre disposition pour pouvoir s'attaquer à cette question de la santé mentale et travailler à une meilleure santé mentale de manière générale. Merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Tonnecraft. C'est que vous avez eu des informations très importantes sur l'utilisation de ces ressources et comment les infirmiers aussi peuvent utiliser meilleur escient dans leur travail. Nous allons maintenant écouter notre prochaine oratrice, donc Michelle Funk, qui est responsable de l'unité politique droit et droits de l'homme, département de la santé mentale de l'utilisation des substances à l'organisation de la santé. Depuis 2020, elle est responsable de la mise en place du cadre mondial destiné à aider les pays à développer leurs politiques, leurs lois, leurs services en matière de santé mentale. Elle a créé et dirige l'initiative Quality Rights de l'OMS qui travaille avec les pays pour créer et transformer leurs services de santé mentale afin de garantir la qualité et de promouvoir les droits de l'homme. Merci, bonjour à tous et à tous. Merci à nouveau au CI de m'inviter ici aujourd'hui, Pamela entre autres. J'aimerais à nouveau saluer l'élaboration de ces lignes directrices sur les soins infirmiers en santé mentale. Ils sont très complets et on voit qu'ils sont très ancrés dans cette approche axée sur les droits humains. Et je vais d'ailleurs en parler. En notre travail en santé mentale à l'OMS couvre différents domaines, projets, différentes initiatives. Mais bon, on par manque de temps et puisque nous ne pouvons pas tout présenter aujourd'hui, on a déjà entendu notre plan d'action global par la voix de Graham, notre guide d'intervention MHCAP. Alors, je vais vous présenter le travail conjoint que nous effectuons en collaboration avec le CII et également le Collège des chirurgiens en Irlande, RCSI, et qui sera rendu disponible au cours des 4 prochaines années pour les infirmières du monde entier. Diapositive suivante. J'ai quelques difficultés pour y avoir accès. Avant toute chose, j'aimerais vous donner quelques messages positifs avant de passer au moins positif. On voit qu'il y a une plus grande sensibilisation en matière de santé mentale et son importance. Comme l'a dit Pamela, cela s'est fait dans le sillage de la pandémie de COVID-19 et notre expérience commune hein, des répercussions très négatives des mesures prises pendant la COVID-19, les confinements et l'isolement social qui en a découlé. Des effets négatifs sur la santé mentale, une approche réduite aux services de santé, alors que c'était le moment où on en avait le plus besoin. Et ceci va pouvoir permettre un changement positif qui veut qu'aujourd'hui nous parlions de santé mentale. Il y a eu différentes initiatives, des mesures prises pour avoir une approche ancrée dans les droits, axée sur la personne globale. Et c'est là le nouveau programme en matière de santé mentale, le programme de transformation que nous voulons voir concrétiser.
Alors, effectivement, ce programme de transformation est en plein essor, mais il y a encore de nombreux enjeux et de nombreuses difficultés. C'est ce que j'ai projeté ici à l'écran. L'institutionnalisation, le manque d'accès aux services communautaires, l'utilisation très répandue de pratiques coercitives, violences, d'abus de négligence, le déni aussi de la capacité juridique des personnes et des droits à décider de même pour leur propre traitement. Il y a aussi des messages de discrimination et qui visent de nombreuses personnes qui font appel aux services en santé mentale. C'est assez répandu que lorsqu'il y a un diagnostic dans un service, ils sont perçus comme n'étant pas capables de contribuer à la société. Donc, c'est un message déresponsabilisant. Et c'est de là qu'est lancé donc, les discours de discrimination et une altération de la perception de ces personnes comme étant des personnes limitées. Il y a aussi l'accent qui est particulièrement mis sur la médication, les symptômes, plutôt que de proposer une approche centrée sur les droits humains, holistique et axée sur la personne. Autant d'enjeux qui doivent trouver une solution, qui doivent être relevés. Et il y a différents niveaux où nous devons intervenir. Nous avons déjà entendu parler du besoin de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, mais cela va bien au-delà. Il s'agit également de défendre une approche axée sur les droits humains et de relèvement dans les différents services. Il nous faut avoir des services communautaires également bien plus importants qui incluent ce volet droits humains. Il faut promouvoir la participation des personnes ayant une expérience vécue. Il faut bien sûr impliquer la société civile et travailler à l'échelle législative et politique pour avoir les bonnes réformes nécessaires et être en ligne avec la réglementation en vigueur. Voici tout ce que nous faisons pour essayer de mettre en avant et concrétiser ce programme de transformation. Si nous voulons vraiment progresser dans ces différents domaines, nous devons avant toute chose promouvoir un changement d'état d'esprit au sens large, axé sur le droit de la personne pour réduire la discrimination et la stigmatisation. Si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à changer cette mentalité, alors le risque est que toute nouvelle politique, législation ou tout service lancé pourrait finalement empêcher tout réel changement dans le paradigme en vigueur. Donc, les anciens modèles, les anciennes pratiques ne se feraient que se reproduire. Dès lors, à l'OMS, nous avons décidé de mettre à disposition tout un éventail d'outils, comme j'en ai parlé précédemment. Mais ce que j'aimerais, c'est me concentrer sur les formations en ligne Quality Rights, des droits et qualités, qui ont été élaborés pour promouvoir un changement d'état d'esprit, pour réduire la stigmatisation et la discrimination et à mettre en avant une approche axée sur les droits humains. Vous pourrez, en tout cas, je ne sais pas si on va vous publier le lien dans le chat, mais vous pourrez en prendre connaissance plus tard. L'information Quality Rights. Elle est disponible dans 13 langues, en anglais et espagnol notamment, avec un nombre important d'autres langues, portugais, lituanien notamment, dans les prochains mois seront disponibles. Je sais qu'il y a une formation en personne, une formation en personne demande des ressources financières et en temps importantes. Mais la formation en ligne, par contre, peut se faire en ligne, au rythme propre à chacun. Ce qui nous permet de renforcer les capacités à une échelle bien plus importante. On peut toucher des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, d'où le choix de ce format. C'est une approche bien plus efficace en ligne que les formations en personne. Voici les différents modules proposés sur cette plateforme en ligne. Vous voyez qu'il y a un module dédié aux droits humains, ensuite droits humains, santé mentale et handicap.
quand la stigmatisation, les stéréotypes, la discrimination et les différentes manières de percevoir la santé mentale. Nous avons un autre module en matière de capacité juridique. Ensuite, aussi pour mettre fin aux violences et à la maltraitance, un autre module concernant les services de qualité et comment promouvoir l'inclusion de la communauté, un autre module concernant la santé mentale, le bien-être et le relèvement. Alors, en quoi cela est positif pour les infirmières? Eh bien, si l'on se concentre uniquement sur la profession infirmière, la formation se concentre sur le besoin que les infirmières prennent soin de leur propre santé, santé mentale, soutenir leurs collègues, leurs amis en leur prodiguant une aide en santé mentale et aider aux patients également de faire face aux crises ou aux troubles en matière de santé mentale dans le cadre de leur travail. Il s'agit aussi d'apprendre à comment lutter contre les stigmatisations, la discrimination, les pratiques coercitives, impliquer activement les personnes dans leur propre traitement, hein, dans les soins, et transformer les services dans lesquels interviennent des infirmières pour avoir une approche axée sur les droits humains et sur la personne. Une fois que l'apprenant a passé l'ensemble des modules de formation, ils reçoivent un certificat officiel de l'OMS. Interruption, une minute. Très bien. Et via la collaboration avec le CI, la formation en ligne Quality Right a été reconnue par 24 crédits pédagogiques du CI. Et cela permet aux apprenants à vraiment augmenter leurs compétences professionnelles. Alors, quelques chiffres, nous, plus de 120 000 personnes inscrites, plus de 50 000 personnes ont fini complètement le cours. À la fin de formalité, il y a 40% d'amélioration en matière d'approche fondée sur les droits humains, réduction de stigmatisation et discrimination. Donc, on voit qu'il y a vraiment des résultats, c'est concret. On peut, dès lors, prétendre à un réel changement global. J'aimerais revenir rapidement sur le Collège irlandais des chirurgiens, RCSI, une collaboration où il y a une formation en ligne mise à disposition pour les infirmières et les sages-femmes. Et donc, dans cette collaboration avec le CI et le RCSI, on aimerait toucher 5 millions d'infirmières et améliorer la vie de 400 millions de personnes dans le monde grâce aux résultats de cette formation. Alors, un appel, je vous invite à cliquer sur le lien, rejoindre cette formation, suivre les lignes directrices du CI sur les soins infirmiers en santé mentale. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir mis à disposition ces outils, bien sûr, mais pas uniquement, de nous permettre aussi de nous assurer qu'il y a une réelle transformation des soins en santé mentale. Maintenant, j'aimerais vous présenter Howard Catton, directeur général du Conseil international des infirmières, le CI, qui nous parlera des effectifs infirmiers en santé mentale. Howard, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, nombreuses. Une très bonne réponse que nous avons de votre part, ce qui montre à quel point c'est une priorité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous donner quelques informations sur ce que nous savons, connaissons concernant les effectifs infirmiers en santé mentale. Tout d'abord, je dirais que nous manquons de données. Hein, nous n'avons pas une vision exhaustive, nous avons des données limitées. De nombreux pays et organisations ne se concentre pas suffisamment sur ce volet si important pourtant des agents de santé que sont les infirmiers. Je vais en tout cas vous faire présentation de ce que nous savons. Graham vous a montré ce rapport, nombre d'entre vous le connaissent. Bien sûr, l'état du monde infirmier publié en 2020, avec des données collectées en 2019-2020. Et de ce rapport, nous savons qu'à l'époque, il manquait 6 millions d'infirmières dans le monde entier.
Et voilà, on devrait atteindre près de 29 millions. Et cela nous montre clairement que nous avons une mauvaise répartition des effectifs infirmiers dans le monde entier. Dans des pays en bleu, ils ont près de 100 infirmières par 10 000 habitants, mais dans les pays en rouge, moins de 20 infirmières par 10 000 habitants. Une mauvaise répartition. Mais ce que l'on voit également ici, on voit, si l'on se concentre sur les besoins en matière de santé, eh bien, ce serait le reflet, le miroir, l'image inversée de ce que l'on voit maintenant, à savoir là où nous avons le moins d'infirmières, c'est là où nous avons les besoins en santé les plus élevés. Cela nous révèle quelque chose d'intéressant. Où les pays qui aujourd'hui sont vraiment les premiers recruteurs d'effectifs infirmiers, ce sont clairement les pays en bleu à l'écran aujourd'hui, qui ont plus d'infirmières par habitant. Donc, il nous manque 6 millions d'infirmières dans le monde. Nous savons que près de 5 millions d'infirmières vont être retraitées dans les prochaines années. Et il y a deux rapports publiés en 2022 et 2023 par le CI qui a permis de collecter les informations concernant l'impact de la pandémie sur les effectifs infirmiers. Les effets physiques, mais surtout, et c'est très important en matière de santé mentale, la détresse, les blessures, les dommages en matière de santé mentale. 12 de nos associations dans différents pays comme le Royaume-Uni, États-Unis, en Australie se sont retrouvées la semaine dernière et nous ont dit à quel point il y a eu des dégâts sur la santé mentale pour les effectifs infirmiers dans ces pays, ce qui a été exacerbé par des lieux de travail inadaptés. Le bien-être et la santé des infirmières et leur santé mentale sont un problème, vraiment une question essentiels et qui font qu'il va y avoir de moins en moins d'effectifs et plus de pénuries. On doit suivre les flèches et on arrive à la fin des flèches à un chiffre de 30 millions d'infirmières. C'est un rapport qui vient de l'Institut Washington et qui nous dit, ah, on parle de 6 millions qui manqueraient pour l'OMS, mais le rapport de l'Institut Washington dit 30 millions. Il faut s'intéresser à la manière dont on calcule cela, en fait, ce chiffre. Le 30 millions se base sur une vision plus ambitieuse de la CSU, la couverture sanitaire universelle. On prend en compte ici plus de services et une couverture plus importante dans les calculs qui sont utilisés ici par ce rapport versus par l'OMS en 2020. Et quels que soient les soins de santé prodigués, évidemment, le personnel infirmier sera à l'avant-poste. Et ce qui est également mis en évidence ici, c'est que cela montre l'importance de la santé mentale. Lorsque l'on regarde les ODD, l'ODD numéro 3 que vous connaissez en matière de santé et bien-être, il se concentre sur la mortalité maternelle, les vaccins, la santé reproductive et non transmissible, etc. Et la santé mentale n'est pas vraiment dans les grandes priorités. Et le rapport ici à l'écran maintenant a été présenté aussi par Graham. Je vous invite à vous lire ce rapport, un recueil de ressources aux côtés des lignes directrices que nous publions aujourd'hui. Il y a plus de détails en matière de défis liés à la santé mentale. Mais comme l'a dit Graham, chaque année, 20% des personnes seront touchées par un trouble de santé mentale et tout au long de leur vie, une personne sur deux dans le monde aura connu un trouble de santé mentale. Et j'ai entendu que certaines d'entre vous récemment avancent les mêmes chiffres pour le cancer. On parle d'une personne sur deux qui aura un cancer dans sa vie. Et on voit que 71% des personnes ayant des troubles de santé mentale ou de toxicomanie n'ont pas accès à un quelconque traitement. Vous imaginez?
Si 71% des personnes ayant un cancer stade 2 ou 3 n'est pas accès à un traitement, bien sûr, cela n'est pas le cas. Donc, on voit qu'il y a une très grande différence pour ce qui est de l'accès au traitement et aux soins de santé mentale. Il y a également une perte de productivité pour des raisons de santé mentale à hauteur de 16 milliards de dollars. Pourtant, les pays investissent moins de 2 dollars par personne en santé mentale chaque année. Même si on sait cela, investir dans la santé mentale a des répercussions très positives, financières notamment. Et quelles sont les conséquences du fait que ces besoins ne sont pas comblés? C'est une conséquence importante sur les individus, bien sûr, mais pas uniquement, leurs familles, leurs proches, qui ont un rôle de soutien essentiel. Mais d'autres services sont tout aussi importants, les services sociaux, par exemple, dans des pays qui essayent, voilà, sont amenés à traiter ou toucher des thématiques qui ne sont pourtant pas leur spécialité, ils ne sont pas assez formés. Voici le rapport, les résultats, 29 millions d'infirmières, et on estime qu'il y a que 300 000 infirmières spécialisé en santé mentale, donc ce n'est que 1%. Bien sûr, toutes les infirmières sont formées pour apporter des soins en santé physique et en santé mentale, bien sûr, mais là on parle de spécialisation, des infirmières spécialisées en santé mentale. Or, elle représente 44% des effectifs en santé mentale dans le monde. Mais il y a une mauvaise répartition. Bien souvent, les spécialistes en santé mentale sont concentrés dans les pays à fort revenu. Donc, il y a une très grande disparité ici. La densité de personnel infirmier par revenu, 0,4 pour les revenus inférieurs et 29 pour les pays à fort revenu. Donc, nombre d'infirmiers par 100 000 habitants. Diapositive suivante. Nous avons posé la question au pays, avez-vous un plan pour les effectifs infirmiers en santé mentale? Et la plupart, la grande majorité, ont dit non. 60% ont dit qu'ils avaient un plan pour augmenter l'effectif infirmier en santé mentale. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas très clair. Quelles sont leurs ambitions? Est-ce que c'est vraiment lié uniquement au personnel infirmier en santé mentale, etc. Donc, il faut que l'on puisse regarder cela. Au vu de cette différence que l'on voit, hein, une disparité, on voit 40% des pays n'ont pas du tout de plan en ce sens. C'est assez préoccupant. Et je parle également des placements cliniques. Et nous voyons ici la répartition. Et en minimum, le CEI estime qu'il faudrait au moins 80 heures de formation en santé mentale pour les 3 premières années de licence. Vraiment le minimum. Et c'est 41% des pays qui sont en deçà de ce quota. Et bien souvent, lorsqu'il y a cette formation, parfois, on voit qu'il n'y a pas non plus des contextes assez exposés. Donc, nous pouvons voir donc se rejouer par les organismes de santé mentale. D'ailleurs, trois. Personnes sur quatre ont dit que le public avait une compréhension insuffisante des rôles et responsabilités de la MHN. 4 sur 5 ont fait part de pénurie, donc de personnel, souvent d'ailleurs avec un impact sur les enfants, les adolescents et les services maternels. 1 sur 3. Des personnes interrogées, on parlait aussi des entraves, donc barrières qui existaient donc pour pouvoir vraiment travailler complètement. Donc, et 2 sur 3, aussi on dit que le MNH n'était pas impliqué de manière adéquate donc dans le développement de politique ou la prise de décision de haut niveau.
aussi lorsque l'on pense à cet écart, et je pense d'ailleurs que c'est une question qui se posera peut-être par la suite, donc pour pouvoir y faire face, il faut pour s'appuyer sur des experts, les politiques, les infirmiers bien sûr, pour pouvoir remédier donc à cette problématique. Aussi, qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que nous devons faire? Transparent suivant. Nous avons là la charte pour le changement qui a été élaborée par le CCII et qui va être vraiment mise en valeur au niveau mondial avec les points principaux sur lesquels donc s'arrêter. Bien sûr, ce n'est pas forcément une Bible, mais vous avez là des thématiques très importantes qui sont évoquées donc en matière de santé mentale pour le personnel soignant. Nous parlons aussi du soutien à apporter au personnel, soutien aussi de la part de spécialistes et travailler sur nos systèmes pour avoir une éducation publique, une santé publique qui vraiment donnerait la priorité et l'importance aussi à cette question de la santé mentale et aussi le besoin de nommer davantage d'infirmiers et d'infirmières. Et dernière observation donc que je souhaite partager avec vous, l'OMS a lancé l'an dernier signaler donc qu'il y aurait un état aussi de la situation des infirmiers et infirmières dans le monde avec une cote donnée. Et donc, ce sera pour nous une occasion de mettre l'accent sur la santé mentale des infirmiers. Et pour bien sûr nous appuyer aussi sur ce rapport qui a été publié pour vraiment comprendre davantage donc, toutes ces questions qui ont trait au personnel de santé. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Maintenant, je vais demander aux experts de se joindre à moi. Vous avez entendu déjà certains et certaines d'entre elles. Donc, je ne vais pas représenter notre présidente du CI, Pamela Cipriano, mais nous avons aussi Charline, Graham et Madeleine. Mais je vais présenter donc tout spécialement le docteur Emma Wadi, directrice adjointe des soins infirmiers psychiatriques de la NHS Angleterre, qui travaille donc depuis 25 ans à ce poste. Donc, nous serons ravis de l'avoir avec nous et surtout de pouvoir reconnaître le rôle qu'elle a joué pour la santé publique en Angleterre et je pense aussi par extension en Europe. Et je vais également présenter Cheryl Garrigues-Lloyd, qui professeur à l'école d'infirmières de l'UWI et présidente du chapitre Omega Kappa de l'association Sigma, qui a aussi été une défenseuse ardente donc de la santé mentale depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, j'aimerais m'adresser tout d'abord à Emma et à Cheryl. Vous êtes très proche de ces pratiques de santé mentale et des infirmières en santé mentale. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre point de vue sur les questions prioritaires à l'instant même? Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation à ce webinaire qui prend vraiment le décor en termes de crédibilité et de visibilité de la santé mentale. Aussi, ce que je peux dire, le plus grand problème que nous avons au Royaume-Uni, si je peux le voir dans mon travail toujours, c'est la question des ressources. Un manque de ressources et un manque de personnel, un manque de reconnaissance pour leur contribution et également un manque de soutien dans leur développement professionnel aussi. C'est pourquoi il est intéressant et important de pouvoir présenter donc nos attentes. Cheryl, oui, bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Mais je dirais probablement quelque chose de similaire. En tout cas, si je dois dire trois choses, je dirais qu'on a davantage de politique, davantage de lignes directrices par rapport à ce que nous faisons, ce qui a été fait et ce que nous devons aussi développer pour les services de santé mentale. Et puis aussi, bien sûr, il y a cette problématique liée au manque de ressources humaines, matérielles, niveau d'infrastructure, financière, budgétaire, qui sont vraiment insuffisants. Et donc, je dirais que les défis auxquels nous sommes confrontés sont probablement les mêmes concernant donc cette santé mentale en tant qu'infirmière.
Emma, j'aimerais donner nous couleur ou ce que cela signifie pour le patient qui reçoit ces soins, ces traitements. Quel serait l'impact, je dirais, de toutes ces problématiques sur vous et sur les personnes? Alors, pour parler du cas du Royaume-Uni, les gens doivent attendre davantage pour recevoir les traitements dont ils ont besoin. Et le COVID-19 nous a vraiment mis en lumière et peut-être aussi nous avons aussi reculé sur certains points, notamment dans cette reconnaissance de santé mentale. Pas seulement évidemment à cause du COVID, mais ce qui s'est produit, c'est que nous n'avons pas cette personnel pour pouvoir répondre à ces difficultés. Et les ressources, bien sûr, qui sont manquantes. Donc, il y a une demande qui est grandissante et puis de plus en plus de complexité. Et puis, une certaine forme de déconnexion, si vous ne pouvez pas apporter ce soin et ce traitement, alors vous ne pourrez pas poursuivre tout ce travail de reconnaissance, de détection. Oh. Et tout simplement, nous n'avons pas les capacités, en fait, réellement, pour pouvoir parer à cette problématique. Oui, alors, je vais probablement dire la même chose. Je pense qu'elle est liée entre. Dans mon esprit, donc je dirais, voilà, ce sont les difficultés que nous avons, davantage d'aide pour apporter aux familles, aux communautés, et aussi les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir s'adresser aux autorités. Et parfois, nous nous rendons compte que nos clients payent davantage pour les soins de santé. Et je pense aux soins psychologiques et aux traitements, parce qu'ils peuvent être parfois coûteux et qu'ils ne sont pas accessibles à toutes et à tous. Oui, merci beaucoup. Alors, il n'y a absolument aucune difficulté, donc souci à avoir hein, dans ce que vous dites, si vous dites des choses similaires, parce que nous avons justement eu cette rencontre la semaine dernière avec le professeur Noromé qui a été vraiment frappé par les similarités, des difficultés et des défis en fait qui se posent ça et là donc pour l'ensemble du personnel soignant. Merci beaucoup. Et Graham et Charlie, maintenant je vais m'adresser à vous. Tout d'abord, vous remercier et vous féliciter pour ce travail brillant que vous avez fait donc pour The Lancet et d'ailleurs le CII apporter son soutien et je dois dire que concernant ce rapport sur l'inclusion des personnes et les professionnels le développement des politiques. Nous l'avons donc inclus en tant que recommandation au CCI. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce qui vous semble être prioritaire pour vous et ce que la communauté des infirmiers doit mettre en œuvre pour améliorer l'éducation en matière de santé mentale, hein, de manière générale? Oui, Charlie, vous voulez démarrer? Je ne sais pas si commencer ou non, merci. Je veux dire que c'est important d'avoir cette expérience d'un point de vue, bien sûr, professionnel, mais aussi de formation. Je pense qu'il faut vraiment distinguer hein, donc l'expérience et l'éducation. Je dirais que dans le cadre de la formation, les infirmiers apprennent vraiment tous les gestes pratiques. Aussi apprennent, mais aussi travaillent sur la question de la stigmatisation. Et pour ce qui est des politiques, je pense notamment à ce besoin de personnes qui puissent répondre aux besoins et ainsi agir de manière efficace parce que les services sont souvent pensés et développés par rapport à ce qui va bénéficier à la majorité. Et pour moi, il est important que les politiques puissent inclure aussi des spécialistes. Et c'est un composant important, hein, souvent dans les services publics. Nous voyons aussi
que le personnel soignant et l'infirmier ont vraiment dépassé en fait hein, par la quantité de patients, par tout le travail. Donc c'est ce sur quoi nous devons travailler, bien sûr. Oui, merci beaucoup, je suis fait d'accord avec ce qu'a dit Charline. Involving people lived experience, the slogan c'est vrai qu'il faut pouvoir impliquer les personnes avec l'expérience. Là, c'est vraiment un point important. Mais aussi pour l'épreuve, pour réduire la stigmatisation. Je vais l'exemple de ces bidonvilles en Inde. Je pense aux gens qui travaillent avec les personnes bidonvilles. Elles peuvent avoir de très bonnes idées. Elles ont une meilleure vision de leur situation. Et c'est ainsi qu'elles peuvent être plus efficaces aussi. Qu'est-ce que peuvent faire les infirmiers? Tout d'abord, nous devons vraiment nous pencher sur notre travail. J'allais dire que moi, je l'ai été aussi en expérience pendant des années. Donc, il faut aussi travailler à ces formations parce que les études montrent que les personnes soignantes sont moins stigmatisées que souvent d'autres personnes. Dans le public. Donc, il faut vraiment travailler sur ces programmes, formation anti-stigmatisation menés par des personnes d'expérience, peut-être aussi dans l'après-formation aussi que les infirmiers reçoivent. Merci beaucoup. Donc, je veux dire que. Vous pouvez penser donc à tout ce travail qui a été développé justement par toute notre équipe. Et maintenant, pour m'adresser à la présidente, Pamela, pourriez-vous aussi nous donner votre point de vue sur les investissements nécessaires pour pouvoir apporter donc à cette couverture universelle? Oui, merci beaucoup. Je dirais que ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut continuer à développer de meilleures approches basées sur les personnes, adaptées aux soins si nous souhaitons parvenir à cette couverture de santé universelle. Nous savons que dans nombre de pays, il y a un manque de soins de santé primaire. Aussi, la meilleure manière de pouvoir parvenir à cette couverture de santé universelle est vraiment de mettre l'accent sur ces soins de santé primaire. Et au-delà, il faut pouvoir combiner en fait ces soins de santé primaire avec la santé mentale aussi dans l'investissement nécessaire, notamment sur ces soins de santé primaire et sur la santé mentale pour les infirmiers. Donc, il faut que tout ceci soit intégré. Peut-être que dans certains contextes formels, on ne le retrouve pas en tant que tel, mais nous voyons dans d'autres cas toutes les personnes qui ont cette expérience, qui ont ces connaissances, ces formations. Donc, il faut pouvoir vraiment s'adresser à l'ensemble du personnel, continuer à investir dans ces soins élémentaires et aussi pour pouvoir parvenir à cette couverture de santé universelle. Tout ceci ne peut pas être séparé, il faut qu'il soit combiné. Et je pense que de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, tout ceci va peut-être converger pour en venir à une révolution des soins pour les patients, pour les personnes, ainsi que toutes les mesures préventives pour pouvoir mettre fin à ces barrières qui empêchent d'arriver donc aux soins de santé primaire et à la couverture de santé universelle. Merci beaucoup. Alors, chers collègues, nous allons continuer encore 10 petites minutes. Madeleine, je reviendrai vers vous, mais j'aimerais revenir aussi vers Emma et Cheryl sur cette question de la santé mentale. Je pense aux défis auxquels vous pouvez être confronté, notamment dans le développement donc, du personnel. Manine, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, comme priorité à votre sens? Merci à vous. Je dirais que vous avez donné des statistiques intéressantes quant à la prévalence de ce qui s'est produit après la COVID. Mais nous l'avions déjà et nous l'avions constaté aussi qu'au fur et à mesure des années que les infirmières et les infirmiers
recherchent de l'aide, hein, notamment quand ils sont en proie à dépression et tout problème de santé mentale. Donc, ils sont stigmatisés par leurs collègues et parfois, il y a aussi cette stigmatisation au sein du système. Et donc, c'est quelque chose que l'on peut voir dans le monde entier. Et dernièrement, les États-Unis ont commencé à travailler sur de nouvelles exigences pour pouvoir s'adresser à l'ensemble des employeurs et aussi leur donner la possibilité, sans jugement, d'avoir des services de santé mentale disponibles à leur égard. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre du temps pour eux, avoir des experts aussi en santé mentale et avoir des personnes ressources auxquelles s'adresser. Et je dirais que nous avançons vraiment à pas d'escargot en la matière pour pouvoir proposer en fait services de santé mentale à l'ensemble des professionnels. Et il y a toujours cette croyance au sein de notre profession que les infirmiers doivent être forts, ne doivent jamais admettre leur fragilité, doivent poursuivre leur travail, quoi qu'il arrive. Et c'est en tout cas ce qui est enseigné dans les écoles, mais je pense qu'il faut aussi à un moment donné apprendre à parler et à laisser les choses s'exprimer. Oui, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas pour ces perspectives. Emma, alors, je pense que tous les jours, vous travaillez avec spécialistes en première ligne qui mesurent en fait l'impact de cette santé mentale. Quelles seraient les priorités à votre sens donc pour leur venir en soutien? Oui, je dirais que je suis d'accord avec Madeleine et que la question inhérente est que lorsque vous êtes exposé à la vulnérabilité, cela a aussi une grande responsabilité et trop longtemps, nous n'avons pas pu connaître cette question, nous n'avons pas pris la distance nécessaire. Et moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la prévention. Il faut pouvoir chercher en fait des formateurs, infirmiers et à permettre aussi vraiment d'intervenir, de venir en soutien donc au développement de la carrière et de notre personnel, mais aussi de parler de tout ce qui doit être mis en place. Donc je pense qu'il faut pas seulement mettre l'accent sur cette recherche, mais nous avons besoin que nos infirmiers restent soit en bonne santé. Aussi, au Royaume-Uni, il faut pouvoir vraiment mettre toutes les conditions en place pour former ces personnes et aider, venir en aide en tout cas aux infirmiers. Merci. Merci beaucoup, Sharon. One in the education, as Madeleine said, we need to stop sharing and teaching that we put everybody first and put ourselves last. So nurses are the care in healthcare, but we Il faut aussi être sûr que nous apprenons à prendre soin de nous-mêmes. Et ce n'est être égoïste n'est pas forcément un mauvais mot à dire. Il faut prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin d'autrui. Et lorsque l'on parle du cadre de pratique, nous avons besoin d'identifier les de manière de prendre soin de nous-mêmes, d'être résilientes, d'améliorer nos pratiques et de le faire à titre individuel, mais aussi de plaider en faveur de manières de prendre soin de nous auprès de nos collègues et nos structures. Il y a beaucoup, la confidentialité, la vie privée est importante, mais lorsqu'il y a des questions de traumatisme qui sont abordées, il faut pouvoir débriefer, pouvoir en parler, avoir un soutien nous-mêmes, et il faut pouvoir le faire. Et évidemment, si nous ne prenons pas soin de nous, alors il y a plus de risques de burn-out, notre compassion est minée, etc. Donc il faut que nous puissions identifier de manière simple d'éviter cela. Puisqu'on manque d'infirmières, eh bien alors, comment faire en sorte d'améliorer toute la situation? Donc, des éléments très simples que nous pouvons mettre en place. Nous avons
On a besoin d'avoir les outils nécessaires pour reprendre soin de nous-mêmes et il faut que nous ayons un réel soutien, une entraide et la cohérence. Il faut que tous les jours, nous prenions soin de nous-mêmes et que nous plaidions tous les jours en ce sens pour que nous ayons accès nous-mêmes aux soins dont nous avons besoin, pour que nous-mêmes, nous puissions prendre soin des autres. Merci infiniment. Cher panéliste, dernière question, une phrase pour compléter ce tweet pour transformer efficacement la santé mentale dans le monde. Nous devons, pour transformer efficacement la santé mentale dans le monde, nous devons, et je vous laisse compléter ce tweet. Charline, se concentrer sur la qualité de vie, pas les résultats en qualité de vie et pas uniquement santé. Graham, se concentrer sur la santé mentale des infirmières en santé mentale pour qu'elles puissent faire leur travail pour aider les autres. Lorsqu'elles veulent en parler, qu'elles puissent trouver de l'aide et lorsqu'il n'y a pas d'aide, qu'elles puissent trouver des managers formés pour qu'ils puissent leur donner les outils nécessaires et qu'elles leur donnent la confiance nécessaire et que les infirmières soient toujours un outil efficace pour la santé mentale. Madeleine. Embrasser le fait que les soins en santé mentale est un droit humain. Si nous ne pouvons pas prodiguer les soins nous-mêmes, on peut en tout cas plaider en faveur de la santé mentale et dire que c'est un droit humain. Madame la Présidente, prendre des mesures urgentes pour assurer les investissements, pour préparer les infirmières à être réellement l'effectif de santé de l'avenir. Cheryl, nous devons mieux former en santé mentale, promouvoir la santé mentale auprès du personnel infirmier et le grand public. Emma, nous devons donner la même priorité à la santé physique et à la santé mentale. On reconnaît le caractère essentiel des infirmières en santé mentale et qu'elles puissent rester bien en pratique et les soutenir pour qu'elles agissent au sein de leur communauté. Merci infiniment, chers panélistes. Alors, il y aura ces tweets qui seront publiés très bientôt. Merci, j'entends déjà mon équipe de la communication qui vous applaudit dans le bâtiment où je me trouve et qui vous remercie pour vos suggestions et pour les avoir aidés aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à nouveau à l'ensemble des experts. Je me tourne vers Pamela Cipriano, notre présidente, pour ses remarques de conclusion. Merci, Howard. Je remercie également l'ensemble des présentateurs et présentatrices et toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Merci pour votre intérêt sincère en faveur de la santé mentale. Je vous encourage à vérifier la messagerie instantanée. Vous avez des questions. Il y a des liens qui sont mis vers les ressources dont on a parlé sur le site du CI. Également, de nombreuses ressources sont à votre disposition. Aujourd'hui, nous avons vraiment entendu que c'est un appel à l'action. Nous devons vraiment comprendre que nos efforts témoignent de notre engagement pour améliorer la santé mentale dans le monde entier. C'est essentiel. C'est essentiel que nous puissions nous atteler à ce fardeau que représente la santé mentale et qu'il y a besoin de tout toujours d'investir davantage dans l'effectif infirmier. Nous savons qu'il est essentiel pour nous que nous puissions encourager nos collègues à mettre en place un plan organisationnel personnel notamment partageant les informations que l'on a eues aujourd'hui pour lever les obstacles, pour que nous puissions avoir des approches axées sur la personne, les droits humains, en prenant en compte la santé mentale et l'expérience des personnes touchées. Et aussi d'identifier comment, autrement, nous pouvons aider nos étudiantes, répondre aux grandes questions. Qui, notamment, comment se fait-ce qu'on n'ait pas réussi à créer un cadre où nous arrivons à ne plus avoir de discrimination? Donc, vraiment, c'était un moment charnière aujourd'hui pour nous assurer que nous faisons tout notre possible pour avoir des services de santé mentale plus équitables, plus accessibles pour tous et toutes. Merci infiniment. Voilà, je vous invite à intégrer toutes ces connaissances que vous avez reçues aujourd'hui, de puiser dans les ressources que l'on vous a communiquées via nos formidables orateurs et nos oratrices. Merci, je vous souhaite une excellente journée.